avec vous un communiqué du gouvernement. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint, communiqué dont la teneur suit. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région, ému par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Séni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créé avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'un communiqué conjoint dont je vous donne la teneur, communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région, ému par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Séni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créé avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après quatre conjoints du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, désireux de réaliser leur intégration entre les États de la sous-région, ému par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leur excellence, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Séni Kounké, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créé avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975, à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après 49 ans d'existence,